Allez, on est parti. Suite de nos lives Cyberpunk. Et on va faire quelques missions annexes tant qu'elles sont à un niveau proche du mien. Et qu'on peut se régaler dessus, parce que quand elles vont être trop faciles, ça va pas être très intéressant. Donc, let's go. Trouver la voiture de Marvin Hilton. Ok, on va faire ça. Marvin Hilton, où es-tu, mon pote? Ah merde, c'était là. Ouais, tout va bien, ta gueule. On fera un constat plus tard. Ouais. Allez, va-t'en pour voir, merci. Excusez-moi. Tu peux afficher à 2K sur Twitch maintenant, tu le sais. Ouais, mais j'ai pas le bitrate nécessaire, j'ai que 6 mégas. Quelques streamers ont du 8 mégas, mais j'ai demandé à l'avoir et on m'a dit que ça ne se faisait plus. Donc je l'ai dans le cul en fait, je vais devoir attendre qu'il monte la limite pour tout le monde. Et ça va pas se faire tout de suite. Alors, ils vont bien être obligés d'y venir à un moment donné, mais ils vont attendre vraiment le dernier moment. Ils vont attendre que beaucoup de gens soient équipés en écran 1440, voire même 4K. Donc va falloir attendre un petit peu. Est-ce que les missions sont bien diversifiées, ou pas trop répétitives comme dans GTA? Non, c'est plutôt diversifié, franchement, moi je m'ennuie pas du tout. Ah, c'est ma voiture ça! C'est la RRA! Combien elle coûte la RRA? Putain, c'est une de mes voitures favorites. Combien elle coûte? Attention. Oh, ça va, 62. 62, c'est achetable. Hein. C'est achetable. C'est pas encore la voiture de Batman, mais c'est achetable. Tu me laisses passer, merci. Merci, bonjour. Excusez-moi. Ouais, je suis pressé. Il a pas fermé sa portière, Jean-Mi, là. Il a peur de rien. Ah, une petite typose. Hop, c'est fini. Bon, on se fait encore 2 km, là, on est tranquille. Oh, j'ai détruit ma caisse. Je descends, je peux pas conduire ça. C'est dégueulasse. Je joue sur un Sony 65 pouces, tout à fait. Et d'ici une semaine, je devrais jouer sur un LG OLED 65 pouces. Il va nous régaler aussi. Ah non. Non, je m'en... Oh, attends, c'est une Herrera verte, là? C'est une Herrera verte? Stylé, ça. Laissez-moi tranquille. Casse-toi pour voir. Merci. Et c'est parti! Elle est vraiment bien, cette bagnole. Ah, je la kiffe. Allez, balade silencieuse, mais juste du son. Nouvelle moto. Oups, un peu trop tôt. C'est géré. Bon. Alors. Salut.
c'est tout? Non. Non, c'est tout, c'est vrai. Bah, juste faire ça. Ah, c'était la mission FedEx, quoi. Bon, pas fou. Pas fou, pas fou. On va pas se mentir, elle était pas ouf, celle-là. On va aller chercher ça, hein. Se rendre au Columbarium de North Oak pour trouver l'urne de Archie Griffin. Bon, on y va. On y va, on prend la même caisse, on est reparti. Elle est un peu abîmée, mais on va faire avec, hein. Allez, allons-y. Bon, ça glisse un peu, là. Le sol est mouillé, les gars, le sol est mouillé. Allez, 3 km dans l'autre sens, c'est parti. On se remet du son ? Allez, on se remet du son, c'est parti. Ouais, elle glisse d'où ? Normalement, elle est plutôt stable, cette voiture. Le périph' parisien. Alors on va vite, là, il va y avoir du clipping. Là, on est vitesse max, hein. Waouh! 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 Non, mais c'est... j'ai pas fait exprès. Oh, ok, je m'en vais. Allez, oh, il veut plus, même plus reculer, le bordel. Oh putain! Elle est à moi, cette caisse, elle est à moi. J'ai pas mérité ça! Ah si. Oh la mamacita! À l'aide! Sécurité! C'est la voiture la plus rapide du jeu. La voiture la plus rapide du jeu. Elle a un bon son. Elle a un bon son. Tranquille, tranquille, tranquille. Attends, attends, moi je veux profiter un peu. Waouh, waouh, on n'y voit rien par contre. Oh, oh, oh. Inconduisible. J'y vois rien, j'y vois juste rien, c'est impilotable. Là, c'est mieux ou pas? Ok. Ah ouais, non, mais il y a des reflets, frère. Bon, c'est une Tesla, hein. Concrètement, c'est une Tesla... c'est quoi, c'est Bentley? Le logo est copié sur Bentley. C'est une Tesla Bentley, quoi. Ouais, 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 bon. Ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ouais.
Effectivement, c'est une dinguerie. Hein. Oh, elle va trop vite, gros. Elle va trop vite. Wow, elle est incroyable, la caisse. Hein. Ça m'étonne que Max ne connaisse pas Bugatti. Alors, le design, effectivement, il y a de la Chiron. Mais le logo. Le logo, c'est pas Bugatti, je crois, si. C'est Bugatti, le logo. Ok. Si vous le dites. Je croyais pas, mais... Mais ok. Elle a pas de frein. Ah, merci Bentley, je suis pas fou. En fait, ils font des mélanges de bagnoles. Ouais, je glisse. C'est vrai. C'est vrai que je glisse. Ouais. Je glisse pas mal, en fait. C'est où, c'est là? Bon, ici, c'est le cimetière, hein, concrètement. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, ça s'est bien passé. C'est tout ? Excusez-moi, monsieur. Il y a votre jambe... Elle est bizarre en plus, ta jambe. Hein. Bizarrement foutu, quand même. Hein. Ah, vous avez un bras aussi, là. Ah, mais c'est du sang, en fait. Bah oui, bien sûr. C'est du sang. Mmh. Votre bras... Alors, toi, c'est la jambe. Et toi, c'est le bras. Je comprends bien. On a repeint un peu, là. Hein. Oh, il y a du ray tracing dans l'étage de sang. Est-ce que si je marche dedans... Ça... Tu vois, là, ça devrait faire des traces de sang avec mes pieds. C'est pas le cas, je suis très déçu. D'ailleurs que ces traces de sang sont tout à fait en pré-calque. Ça dégoûte. Tiens. Je vais baisser le son parce que ça m'encule les oreilles, les petits bruits aigus de l'âme là. Bref. On a fait la mission. Hein. C'est assez court quand même. C'est les petits boulots du NCPD, c'est vite fait quoi. C'est vraiment t'es... Oh, putain, je me fais baiser à chaque fois. Vraiment t'es pressé de ouf quoi. Mais ça donne beaucoup d'argent. Je suis déjà à 21 000. Ça régale. Ça donne énormément de thunes. Donc bon, on va pas cracher. Hein. Parle mieux de l'âme. Ouais, c'est ça. Oh. Tiens. Je l'avais pas celui-ci. Parfait. Il m'en manque plus beaucoup, hein. Il m'en manque plus beaucoup, en vrai. Excusez-moi, pardon. Et on y va. Chier, c'est pas très loin. Pour le coup, j'avais envie de me balader un peu, là. À combien elle va, celle-ci? Là, déjà, pour le moment, elle va trop vite pour que je puisse la conduire correctement. Wow. Calme-toi. Ah, y'a l'aileron qui se lève et tout quand tu vas vite. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Ah, y'a des belles caisses ici, hein. Ouïouïouïouïouï. Que de la belle caisse là. J'aime bien mettre des petits coups d'accélérateur. Attends, le. Oh, yoïouïouï. Un régal, hein. Ça manque d'une voiture électrique. Une voiture qui fait pas de bruit et qui trace ses mères. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit clin d'œil à Tesla, tu vois. C'eût été bienvenue. Elle va à 211 mph. Ah, c'est des miles en bas. Pas des kilomètres heure. Ça fait combien 211 mph en kilomètres heure? Mesdames et messieurs,
Hop là. Ça va bien se passer. Voilà. $19,000, c'est propre. C'est propre. Un petit coup critique à $19,000. Ah merde, je peux pas le pirater le truc. Ah ça y est, je commence à être faiblard là, ça me plaît pas. Ah merde, je suis trop lourd. Ah putain. C'est relou ça. Hein. Ça c'est relou dans tous les RPG quoi. C'est. Y'a aucun monde où on est content d'être lent parce qu'on est trop lourd. N'existe pas ça. Bon bah c'est fait hein. Y'a rien d'autre à récupérer, je crois pas. Voilà. On va vendre hein. On va vendre ou on va démanteler plutôt. Il a l'air d'être OP ton perso. C'est vrai qu'il est fort. Après j'ai un katana légendaire. Voilà. Il fait des dégâts. Il est plutôt efficace, c'est plutôt efficace. Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup mieux? Non, hein. On n'a pas beaucoup mieux pour le moment. Et donc, comme style overstat, pour le moment, on va garder ça. C'est non. Voilà, donc, pour le moment, style overstat, on reste là-dessus. Casquette, est-ce qu'on a des trucs qui valent le coup? Non, hein, bah non. Non, il y a R. Hein. Il y a absolument R. Le manteau. D'accord, on a ça. Ça fait pas rêver de ouf. Ça fait pas rêver non plus. Ah, petite veste. Ah, propre. Petite veste, propre. Après, 73, c'est pas insane non plus en armure. Ouais, c'est pas fou non plus. Franchement, pour le moment, je préfère ça. Hein. Pour le moment, je préfère ça. T-shirt, je pense qu'on est à peu près dans ces bails-là aussi. Voilà. Pantalon, on n'a pas beaucoup mieux non plus. Ouais, je peux prendre ça, c'est ok. Je suis pas beaucoup plus moche. Au moins, j'ai un petit peu d'armure en plus. Les pompes, pour le coup, je m'en fous. Donc, je peux vraiment mettre celui qui a le plus d'armure. Mais pour le moment, en vrai, j'ai pas énorme. Hein. C'est celui-là qu'on donne le plus. Donc, on va les mettre, mais c'est pas dingo. Et puis, après, sur les armes, bah là, on peut démanteler. Typiquement... Oh ! J'ai un nouveau sniper. Un nouveau sniper, enfin. C'est pas mal, ça. Hein. C'est pas mal du tout. C'est le même en mieux et en plus beau. Il y a moyen que ça m'intéresse. Il y a moyen que ça m'intéresse, les amis. Il y a moyen que ça m'intéresse. Ah, mais je peux pas enlever le module. Ah, non. Ça dégoûte, putain. Est-ce que j'ai d'autres modules? On va voir. Est-ce que j'ai d'autres modules? Ah. Alors, attends, de base. Celui-là, il donne plus 1 de portée. Ah ouais, non, le mien est bien meilleur. Hein. Bien meilleur. Oulala, on va clairement garder ça. Et en module, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Au moment des chances pour évoquer statut et aux effets 5% max. Alors, le truc, c'est que j'ai pas d'effet, je crois. Acier électrique. Dégâts électriques. Les dégâts critiques de 10%. J'en ai pas besoin, je crois. Rends votre arme non létale, non dégage. Augmente les dégâts infligés au moins de 5%. Je pense qu'on est pas mal sur ça. En vrai, on va mettre ça. Hein. Petit sniper électrique, pourquoi pas. On est bien. À quoi il ressemble? Ouais, c'est le même en jaune. Hein. C'est le même en jaune, il fait le taf. Hein.
propre. Il est propre. Le deuxième, peut-être qu'on peut le changer aussi. On a peut-être mieux maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? C'est un fusil d'assaut Ajax. Occupe-toi un peu de Paname, mec. Ah, y a plein de choses à faire avec Paname, mais prenons notre temps. Une histoire d'amour qui dure, ça se fait sans précipitation. Un fusil d'assaut Copperhead, ouais, il a de la gueule. Après, ce que j'aime bien avec l'Ajax... Non, y a rien que j'aime bien avec l'Ajax. En vrai, je sais pas pourquoi je préfère l'Ajax plutôt qu'un autre. J'ai rien contre le Copperhead. Donc, je ne suis pas fermé. J'aime beaucoup le fait que ça brûle. J'aime beaucoup, beaucoup le fait que ça brûle. Par exemple, si on le range en DPS. Voilà, donc c'est celui-là qui fait le plus de DPS pour le moment. C'est un fusil de précision, donc en gros c'est un fusil d'éclaireur, quoi. Tu tires moins de balles, c'est entre le sniper et le fusil d'assaut, tu vois. T'es là genre, pa. Mais... Dégâts chimiques, bon... Il a l'air pas mal, hein. Ah, c'est le fusil de Nash. Ah, il est iconique, du coup, il est un peu unique, quoi. On va l'essayer. On peut l'essayer, en vrai. Le faiseur de veuve, c'est marrant. Sinon, t'as le Copperhead, encore un Copperhead. Alors, celui-là, c'est quoi ? C'est des dégâts électriques. Celui-là, c'est des dégâts physiques. Celui-là, c'est quoi ? Bon, on va rester dans le bleu, de toute façon, je pense. Ouais, pour gagner 10 dégâts, je vais garder mon Ajax. Donc, en vrai, on va essayer celui-ci. On va voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'on peut lui mettre une bonne lunette ? A priori, oui, on en a. Laquelle on va mettre ? Celle qui vaut le plus cher, peut-être ? Elles ont toutes la même qualité. Alors, en termes de prix, c'est celle-là la plus chère. Bon, après, on parle de 33 dollars. Hein, donc, en tous les cas, c'est comme s'ils étaient tous gratuits. 56 de portée. On n'a pas beaucoup mieux, hein. On n'a pas beaucoup mieux que 56 de portée. On n'a même pas mieux du tout, hein. On n'a absolument pas mieux. Non. On n'a pas mieux que le premier. Je les regarde tous, mais on n'a pas mieux. Donc effectivement, on va lui équiper ça. Et en module, c'est les mêmes que tout à l'heure. Dégâts critiques, ça peut être cool. Le truc qui recharge plus vite. Ah non, la cadence de tir. Ouais, 5%, c'est pas insane. Et encore, sur un fusil de précision, en vrai, ça peut être cool. On va mettre ça, on s'en fout. Le flingue dégagera sûrement un de ces quatre. C'est pas très grave. Et du coup, on peut démanteler d'autres trucs. Vas-y, on va jeter un œil. Alors, on va pas démanteler celui-là. Parce que, d'ailleurs, on va démanteler aucun des deux parce qu'ils étaient plutôt cool. On va plutôt démanteler le reste. On va essayer de démanteler ceux qui valent le moins cher, surtout. Donc, prix... pardon, je me suis gouré. Voilà, prix. On va descendre là. Voilà, en haut, c'est ceux qui coûtent le moins cher. Celui-là, on va le garder. C'est un cadeau. On va quand même pas le vendre. Voilà, celui-là, on s'en bat les couilles. Ça peut être démonté. Voilà, typiquement. Voilà, ça peut être démonté. Ça peut être démonté, ça peut être démonté, ça peut être démonté. Voilà, tout ça c'est bon. Ça fait moins mal, ça n'a rien de spécial, ça n'a rien d'unique. Donc ça dégage. Là, on commence à arriver à des trucs un peu sympas. Peut-être que j'ai pas trop envie de les casser. Et en même temps, j'aurais mieux. Franchement, j'aurais mieux. En vrai, si, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Voilà. Si, je peux enlever celui-là aussi. Si, en vrai, on va garder juste les deux qu'on voulait et celui qu'on veut pas démanteler, et puis on est pas mal. Courant iconique. D'accord, donc faut quand même les garder, ceux-là. Ils ont l'air de pas trop rigoler. Attends. Genre, attends, si je veux changer ça... Ah, je peux... Ah, celui-là, il... Ah, celui que j'ai est meilleur que les autres. Ok, on verra. Bon, on pourra les améliorer. Au pire, c'est pas très grave. Voyons ce que ça donne. Ajax sans trace et sans frotter. Exactement. C'est ça qui régale. C'est ça qui régale, pardon. On est pas mal. On peut tester un petit peu ça.
cyberconsole, j'ai pas vraiment de nouvelles choses. Ah, réinitialisation. Ah si, réinitialisation au système, c'est bon ça. Je lui fais perdre connaissance. Ah ouais, mais ça coûte 10 en mémoire vive. Gros. J'ai 2. J'ai 2 actuellement. Ah ouais, c'est fort ça, mais j'ai pas le niveau. C'est très très fort, mais j'ai pas le niveau. Tu peux stopper un boss avec ça, c'est insane, hein. Ok. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Il y a des trucs vraiment stylés pour les Netrunners. Après, moi, je peux pas trop les équiper pour le moment. Est-ce qu'on a fini notre mission? Est-ce qu'on a tout récupéré? Je crois que ouais. On peut se casser. Est-ce qu'il est stylé ce flingue? Pas mal hein. Pas mal le faiseur de veuve là. Ça régale. On va tester. Ah mais il s'ouvre ou il se resserre. Regardez, le truc se resserre pour viser. Et quand tu lâches, clac, il s'ouvre. Stylé. Très stylé. No homo, Max, il est beau sur sa cam. Sympa. C'est sympa. Je suis parti sur un build plutôt... Ah, sans viser, il tire différemment. Ah ouais? Bien vu ça. Attends. Classique, hein. Classique. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a à faire là? Vous avez vu, elle a regardé ma caisse. Acheter des équipements de piratage rapide pour Netrunner. Non, je vais pas faire ça. Par contre, j'irais bien voir un cher Q-Doc là. J'ai peut-être des trucs à m'installer. J'ai peut-être des trucs à me mettre. Putain, et je l'ai toujours pas retrouvé, faut que je le marque. Faut que je le marque parce que je sais pas où il est, ça me saoule. Je sais pas où est Victor. Victor, je sais pas où il est. Ça m'énerve. Tu vois, tu sais que tu veux aller voir un charcutoc, mais faut trouver Victor, quoi. À côté de ton abart. Watson en bas à gauche. Donc Watson, on l'y est, en bas à gauche, ok. Là? C'est lui, là? C'est lui? Ok, on va voir. Ah mais c'est l'aérofrein en fait le truc derrière. Ah non non. C'est bien le truc pour stabiliser en fait. Et quand tu descends en dessous d'une certaine vitesse, il rentre. Quand t'es au-dessus de combien? 100 je pense. Ah, au-dessus de 70 il s'ouvre. Oh les voitures qui se passent à travers là. Faites un effort merde. Vous voyez pas qu'on parle de vous sur Twitter là? Cassez-vous, vous m'énervez. Oh d'accord, j'ai pris les escaliers. Parce que pourquoi pas. Allez, cassez-vous. Ah, le bruit de cette bagnole est quand même succulent, quoi. Bon, là, je suis en train de la détruire, mais... Je la destroy, la bagnole. Ah, c'était de l'autre côté? Ah non, c'est... Elle va trop vite, putain. Je me fais surprendre. En fait, je regarde la carte en haut et ça défile trop vite.
Ok, on y est. Je m'arrête au milieu de la route parce que je respecte rien ni personne. Ah! Bah lui, il m'a pas respecté non plus, putain. Ah ouais, vous avez raison, c'est là. Bien joué. Salut frérot. J'ai vu une fresque bizarre sur un mur. Te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder? Non. Les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau n'arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Ok. Tu peux quand même... Non? D'accord. Ah. Oh, il y a un bug. Regardez, il y a un bug sur la minimap. L'icône, elle est en train de... Elle est en train de dire je devienne fou. Ah, merci. Je veux qu'on parle de Johnny et de la puce. J'ai 2-3 questions sur la puce et sur Silveren. Je suis pas un expert, mais demande toujours. Je répondrai au mieux. Pourquoi je vois ses souvenirs? Qu'est-ce que je fais s'il essaye de me tuer? Comment ça se fait que j'arrive à le voir? Bah, cette biopuce est conçue pour pouvoir communiquer avec un construct. Elle fait juste son boulot. D'accord, alors merci Arasaka. Tu sais, tu dois être le possesseur de reliques le moins fortuné, au propre comme au figuré. Pourquoi je vois ses souvenirs? Qu'est-ce que je fais s'il essaye de me tuer? Il a essayé de me coller un trait plat. Quoi? Comment je fais pour le retenir et l'empêcher de me tuer? Eh ben, tant que tu lui laisses pas le contrôle, il peut pas te faire grand-chose. Mais au bout d'un moment, t'auras vraiment plus le choix. Et il se passera quoi? On va pas attendre de le savoir. Trouve un moyen de te débarrasser de Silverhand, et vite. Pourquoi je... Vous partagez le même cerveau. Il a accès à tes sensations, tes perceptions, et même à certains souvenirs. Au bout d'un moment, tu sauras plus si c'est les tiens ou les siens. Je me disais que bon, je pouvais remplacer mon chrome. T'as de nouveaux jouets? Jette un œil. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Oh là là. Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas les... D'accord. Il me faut de l'intelligence pour améliorer mon cortex. Et pour le moment, je suis con comme une bite. Déçu, hein? Donc pour le moment, c'est mort sur le cortex. Les yeux, on peut peut-être faire mieux? Ah oui. Bah, c'est juste... Ça donne juste des emplacements de modules. Ok. Sachant que... Ah oui, d'accord. Mais automatiquement, en surveillance, les ennemis qui vous ont repéré. Ouais, c'est pas ouf. J'ai des modules, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Ok, tu mets juste 3 modules sur tes yeux et tu te régales, quoi. Bon. Ça vaut combien les yeux là? C'est 5000, c'est ça? 5000, c'est acceptable, on verra. S'il nous reste 5000, on le prendra. En vrai, j'aimerais bien changer mon système d'exploitation surtout. Ah, c'est pas celui-là, putain. Ah, c'est celui-là qu'il me faut. 35? Ça se farme, les gars, 35. Il me manque 15000, c'est ok, hein? Ça, c'est insane, hein? Ça, gros, tu l'as, t'as gagné le jeu. T'as gagné le jeu. C'est trop fort. Hein. On va le prendre, hein. 35K, franchement, ça se farme. Hein. Système sanguin. Ah, voilà, là, on propose des choses. Régénération d'endurance. J'en ai rien à foutre, je ne manque jamais d'endurance. Augmente le temps de piratage. Rien à foutre, je me fais pas assez pirater. Restant instantanément 10% d'endurance lorsque vous venez à bout d'un ennemi, m'en bat les couilles. Libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 20% de la santé maximale de l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15%. Ok. Quand je suis à deux doigts de mourir, j'électrocute un mec devant moi, quoi.
Ouais. Y a rien d'exceptionnel. Hein. Y a rien d'exceptionnel. Même ça, tu vois, j'utilise jamais. Au final. Restaure 60% de votre santé maximale. J'utilise jamais. Je me demande même s'il fonctionne en vrai. Ok. Système immunitaire, j'ai rien de spécial. Pour le moment, c'est juste quand j'ai subi des dégâts, j'ai deux chances de libérer un pigeon choc électrique. Bon, c'est bien, mais voilà. Kerenzikov, ça c'est cool. Viser et tirer en esquivant, ralenti de 50% quand vous bloquez, visez ou attaquez en glissant. Ça c'est marrant, tu vois, je fais une petite glissade, j'attaque. Pendant 1,5 secondes, je peux démonter des mecs. Même ça, l'accélérateur synaptique, c'est cool. Quand je me fais repérer, paf, ça passe au ralenti, c'est. En vrai, c'est cool, c'est cool, c'est très bien. Augmente la durée de Sandevistan et de Kanzikov. Bah ça va avec l'autre du coup. Ça va avec l'autre. Mais du coup, il faut que je choisisse. Je peux pas avoir. Si je prends ça, je peux pas avoir l'accélérateur synaptique. Qui est quand même pas mal, je trouve. Faut voir. Il faut voir. Pour le moment, comme j'ai pas Sandevistan, je suis pas pressé de prendre ça. Ralentit le temps de 60% pendant 2,5 secondes quand la santé des. Ouais, bon là, c'est quand tu vas crever, le but du jeu c'est quand même de pas crever, donc c'est pas fou. Augmente l'esquive, bof. Augmente la durée de Sandevistan. Ouais, bon, c'est le même. Bon, j'aurais tendance à prendre ça pour remplacer ça. Est-ce que je suis pressé? Non, hein, je pense pas. Je pense pas. Je trouve ça plus utile pour le moment. Je trouve ça plus utile pour le moment. Donc on se posera la question quand on aura peut-être un peu plus de stuff. En tout cas, c'est pas l'urgence. Le système de. Ah, est-ce qu'on peut se rendre plus solide? Sachant que par exemple, vous voyez, si je mets cette armure-là, ça m'enlève la légendaire. Donc ça dégoûte. Attends, ce que je peux faire. Et voilà. Donc il faut que je choisisse. Et augmente l'armure de 20, augmente l'armure de 90, augmente l'armure de 200. Donc j'ai déjà la meilleure armure possible. Donc ça, je m'en bats les couilles. Confère une immunité aux électrocutions. Je m'en fous un peu pour le moment. Ok. Le squelette, les amis, on n'a rien à acheter, donc on est bon, on est au top. Voilà, on augmente la charge limite et la vitesse d'attaque, c'est bien. Augmente les chances de ricocher des armes cinétiques. Connecte directement l'implant optique de l'utilisateur au système d'armes, permettant le suivi de données en temps réel. Ouais, bon. Je peux soit mettre ça pour utiliser les armes intelligentes. Vous permet d'intégrer le module de ciblage intelligent à des armes intelligentes, augmente les chances des balles intelligentes de toucher les cibles de 15%, augmente les dégâts critiques de 25%. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est la version légendaire du tatouage, quoi, en gros, hein. Ok. Ça, c'est la même chose que j'ai, mais en mieux, c'est ça. Augmente le nombre de ricochets qui effectuent les balles de 1. Ok, donc là, les balles, elles font mur, mur, cible. Donc à la fin, tes balles, elles font. Elle touche partout. Faut voir ce que j'ai comme arme en même temps. Faut voir ce que j'ai comme arme. Ah ouais, ça c'est juste le commerce. On s'en fout. Par exemple, si je ressors. Ici, j'ai une arme technique. Ici, j'ai une arme technique. Ah ouais, j'ai deux snipers techniques. J'ai pas d'arme cinétique en vrai. J'ai que du technique. Le technique, il a besoin de rien pour le faire marcher. C'est juste que ça traverse les murs. Donc en vrai, on est assez tranquille. Le pompe remplace un objet de soin dans le slot adéquat. La pompe remplace un objet de soin. Ah, faut le faire manuellement? Comment ça? Ah oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Oui, je suis au courant qu'en gros, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Et d'ailleurs, non, ça remplace pas un objet de soin. Ça remplace une grenade. Ça remplace une grenade, gros. Donc en gros, t'as plus de grenade, mais tu peux full te heal. Pas certain de l'utilité du truc, moi je l'utilise rarement et même quand je l'avais équipé, ça marchait pas trop. Et en plus, faut rester appuyé. En fait, le truc il prend du temps alors qu'en vrai, t'es plutôt pressé quand tu veux te heal. Je suis pas convaincu, je suis pas convaincu du tout. Je me disais que je pourrais. Je suis pas convaincu du tout. Au niveau des jambes, on a déjà un truc qui permet de faire le double saut, on en est très content. Le saut chargé, je sais pas jusqu'à quelle hauteur il permet d'aller. J'ai quand même tendance à préférer le double saut, qui j'ai l'impression donne plus de contrôle. Derrière ça, on a les lames. Ah, ça, les lames, j'ai bien envie de les changer. Parce que le problème des lames, c'est que je les utilise pas, je trouve qu'elles puent la merde. J'ai peut-être plus envie d'utiliser soit les bras de gorille pour mettre des grosses patates à des mecs.
Soit le lance-projectile pour vraiment être en mode... T'envoies la sauce et c'est parti. Le lance-projectile me tente pas mal quand même. Par contre, il me faut une liaison intelligente. En vrai, ça me dérange pas beaucoup, hein. Là, ma main, elle sert pour les armes cinétiques, j'en utilise pas. On bat un peu les couilles. Je peux mettre la liaison intelligente légendaire et salut, hein. Ça coûte 21 000. Plus 15 000. Ok. Donc ça fait 35, 36 000. En gros, faut viser 40 000, quoi. Faut viser 40 000, sachant que je veux aussi le centre d'Evistan qui coûte 35. Donc il faut 40 plus 35, il faut 75. Il faut 75 000. Voilà. Bon, bah, 75 000, hein. Le saut chargé va plus haut, mais tu es moins mobile. Ok. Ouais, je préfère la mobilité du double saut en vrai. Ça me fait plus marrer le double saut. Ok, bon. Eh ben, on va farmer 75 000, les gars. C'est ça qu'on va faire, hein. Je vous spoil, hein, c'est ça qu'on va faire. On va partir là-dessus. Et même, il Je faut disais que plus je que pourrais ça. Parce que du coup, si j'ai le sang d'Evistan, je prendrais sûrement ça aussi. Ah, je l'ai, il me coûte zéro. Ah, hein, vu qu'il me coûte zéro, c'est peut-être tentant quand même. On va le tester un peu. Alors non, par contre. Vu qu'il coûte zéro, on va le tester. Le Karenzikov. J'aimerais bien un Karenzikov bleu. Mais bon, pour le moment, on va faire sans. Ok, testons tout ça. Testons tout ça, les amis. Et puis, on va aller farmer nos thunes, hein. Allez. Let's go. C'est parti. 75 000. Ça se fait. Soixante-quinze mille, ça se fait. Pour ça, on va faire des missions annexes. On va faire des contrats. Let's go. Hop, le Tiger par la queue, on y va. Où est ma voiture? Elle est là. Ouais, c'est ça, on va prendre le lance-projectile en mode Cobra, ça va être très très bien. Oh bah non, je voyais pas. Bon, d'ailleurs, en vrai, c'est un peu chiant ça. On voit pas, c'est un peu relou. C'est dans le jeu. Hauteur de... Voilà. On va faire ça, on va voir si c'est mieux. Voilà. Parce qu'on n'y voit rien, c'est relou, hein. Bon là, je voyais, mais Laisse-moi j'avais tranquille, pas le s'il te choix. plaît. J'avais juste pas le choix. Alors, le serveur. Oh, le bas de caisse, il demande que à se suicider le bas de caisse. Il est en mode Salut mon pote! Excusez-moi! Oh, fais chier! Oh, fais chier, faut que je me casse! Faut que je me casse! Allez, au revoir! Voilà, c'est bon, mon crime est pardonné. Ça, c'est ridicule. Franchement, s'il y a un truc qui est vraiment raté dans le jeu, c'est vraiment la police, quoi. Alors là, l'IA, elle est pas ouf, mais alors la police, c'est vraiment. Enfin, franchement, autant pas en mettre. Autant ne pas en mettre. Franchement, elle sert tellement à rien, c'est honteux. Ayez pitié! C'est vraiment de la merde, la police, hein. Allez, les serveurs. Non? Si. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. 54 News.
Bonjour Night City, vous êtes avec Gillian Jordan sur N54 News. Et voici l'actualité locale. Alors. Oula. On va tester un peu nos nouvelles armes, d'accord ? Alors, BD 55-55. Bah c'est chiant ça. Ils sont où les 55? Il y en a pas tant que ça. Alors. Ouais, faut le faire là. Oh merde, j'ai raté. Oh, j'ai raté le con. Oh, j'ai fait la pire erreur de ma life. J'ai perdu. J'ai perdu, est-ce que je peux annuler? Si tu te montres, on te fera pas de mal. C'est bon, ils ont pas vu. Ah, faut que j'attende 15 secondes pour recommencer. Ah si, ils m'ont vu. Merde, j'ai fait de la merde là. Ok, la caméra m'a pas vu. Je peux désactiver d'autres trucs peut-être à distance. Bon, ça c'est... Ah, on peut refaire le protocole, vas-y. Alors, oh bah c'est plus facile, E9. Alors quoique, faut pas que je fasse de dinguerie. Là, j'ai été nul à chier tout à l'heure, c'était honteux. Franchement, c'était honteux. T'en penses quoi de la dernière voiture? Bon, elle est pas mal. Si, c'est la meilleure voiture, clairement, mais bon... J'imagine qu'ils en sortiront d'autres. Alors attends, parce que maintenant que j'ai ça... je vais faire un ping. Et il dormait lui. Allez, assoupis-toi. Tous de dos, si je le règle lui, c'est bon. Allez, dors. En alerte, mais ils m'ont pas vu. On va tester nos armes. Hein. On y va. Oh, oh, le headshot, il a été violent. Oh, le headshot, il a été très violent. Je sais pas si je le touche. Franchement, l'arme elle marche, hein. L'arme elle marche, hein. Elle marche même très bien, hein. Petit malware. Hop, c'est fait.
T'es en train de jouer X là? J'entends hein. En train de full jouer X là. Attends, c'est au-dessus la vente, ok. Alors je vais peut-être pas sortir par là. Et c'est bien de voir qu'il y a plusieurs passages possibles quoi. Moi je vais droit devant mais... Il y a fait effectivement un deuxième run possible, beaucoup plus discret et intelligent quoi. Excusez-moi, pardon, poussez-vous, excusez-moi. Poussez-moi, excusez-vous. Voilà, merci. Hop là. On a tout récupéré, ou presque. Ah 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 ah. Petite salle secrète planquée dans les égouts. C'était l'entrée secrète qui passait par les égouts. Aventure compagnon. Je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Alors, est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici? Allez, donc là, en fait, en allant ici, on pouvait désactiver toutes les caméras, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Et hop, message. Est-ce qu'on chope des trucs, là? Attends, je vois des dingueries à base d'organes génitaux doubles. Je suis en mode, ok. C'est un autre monde. Je sors de la salle des serveurs et on est bon, c'est ça l'idée? Oh, il va se passer une dinguerie. Si la mission m'oblige à continuer par là, c'est qu'il va se passer une dinguerie. Mais je suis prêt. Je suis très très prêt. Yo Canopute, comment ça va? Ouais, Nullbuck, les bonnes refs. Hein. La ref Cité de la Peur, ah ouais? T'as vu une ref à la Cité de la Peur dans le jeu là? Ah, je l'ai pas vu, merde. Bah t'es content, donc je suis contente. Donc tu vas être payé et tout le monde sera content. J'ai 21 489. Vas-y, envoie la thune pour voir. Non mais 1100 c'est de la merde, il faut me payer plus cher que ça. Pourquoi j'accepte des contrats de salope là? Hein? Pardon mais je suis votre pute, c'est quoi le problème? Est-ce que vous pouvez me donner des vraies missions en fait? J'ai encore pas validé le truc. Je m'énerve moi-même. Chasse aux monstres. Combien d'heures de jeu environ? Je suis... C'est toi qui es en 4K? Ouais, je suis en 4K. Combien d'heures... C'est bon, personne n'a vu. Personne n'a vu, c'est une vie insignifiante. Elle est de gauche, ça va, allez. Continuons. Voilà. Oh, oh là, oh, ouf. C'est bon, ça se passe bien. Voilà, la police est d'accord avec moi. C'était une vie insignifiante. Ah, c'est dommage ça. Ah, tu me laisses passer, merci. On va tracer, hein. On va tracer nos grands morts. 100 mètres, on est arrivé. C'est géré. Bonjour, je peux rentrer? Même si vous me répondez non, je vais rentrer, hein, je vous le dis. Ça marche bien, hein. On va recharger. Oh bah non, t'as raison, on va changer d'arme. Bah ouais, je me sais bien. Voilà, toi tu meurs. Ah, ils ont fui eux? Ok, c'est pas grave. Next. Ah ouais. Je comprends, ça fait mal hein.
Ouais, casse-toi. Il est où? Ah mais il est à l'étage au-dessus. Il est à l'étage au-dessus ce con. Ah ouais, le poison hein. Le poison mon pote. On va looter après hein, tranquille. Hop, le poison, merci. Tu vas me décapiter? Parlons-en. Tu vas me décapiter, d'accord. J'avais pas bien compris. J'entends mal. Un autre, peut-être? J'ai pas été très clair. C'est possible que... Des fois, je m'exprime mal, hein. Je comprends bien. À l'étage, encore? Ah, je peux monter, moi. Hein. Y a pas de problème, hein. Petit. Je suis le grand méchant loup. De quoi pas... Oh, je vais attaquer par devant, hein. On s'en fout, hein. Je vais te décapsuler. $21,000, c'est propre. Il en reste ou pas? Non, mais c'est pour savoir en fait. Oh, mais une tourelle de ouf là. D'accord, mais ça se désactive une tourelle. Hein. Ah ouais, elle me touche quand même. Hein. Comment on va désactiver cette merde? On va prendre la caméra. Ah, ça va être chiant ça. On va faire un petit protocole. On va faire BD1C. Voilà. Hop. On va faire contrôle. Voilà. On va aller là. Et on va le désactiver à distance. Voilà. Tout est dit. Ah, j'ai plus qu'à quitter le club. Le taf a été fait, hein. Le taf a été fait. Du coup, on va tout ramasser, les gars. On va tout ramasser. Et là, je peux dire qu'il y a des trucs à ramasser. Hein. C'est une mine d'or, le bordel. Hein. C'est une mine d'or. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y a eu des dingueries ici. Vous pouvez pas juste baiser normalement? Vous pouvez pas juste kiffer sans foutre du sang partout là? Putain! Infâme, hein? Alors que je prenne un d'intelligence, ça m'énerve de pas pouvoir scanner certains trucs encore. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore pris là? Oh là là! La prieuve jambon fromage elle aussi, hein? Ah ouais, les yeux, tout, ils lui ont tout pris. Hein. D'accord. Pas très gentil, ça. Hein. Qui crie à l'attaque? Y'a personne, là. Vous êtes seul au monde, les mecs. Je crois que j'ai pris pas mal de trucs.